Les Ségala constituent une région géographique du sud-ouest du Massif central. Ils sont traversés par plusieurs cours d'eau, l'Aveyron, le Tarn et le Vior. Ce dernier a creusé son cours en gorge profonde. Au maximum de l'évolution démographique de la vallée du Vior, vers 1870, l'ensemble de l'espace disponible était utilisé. Des villages tels Bar, Mirandol-le-Vieux, Jouquevielle étaient situés sur des replats à mi-pente. Ici, les Infournates, avec son église du XIIe siècle, est aujourd'hui désertifiée. La majorité des activités agricoles se faisait sur les versants ou en fond de vallée. Les hauteurs ou les pouèches, plus froids, étaient essentiellement destinés à des landes et des parcours herbagés pour les troupeaux d'ovins ou de bovins. Les versants sud servaient à la culture de la vigne, des céréales et des vergers. Les versants nord étaient prioritairement plantés en châtaigneraies ou réservés aux bois de chauffage. Les fonds de vallée formaient des prairies de fauche. Aujourd'hui, l'organisation de l'espace s'est inversée. Les pentes des versants, non mécanisables, ont été abandonnées. Les villages comme les Infournates, Jouquevielle, Mirandol-le-Vieux, ont été abandonnés. Et plus tard, ces anciens villages qui étaient implantés à mi-pente se sont déplacés vers les plateaux, vers les Pouèches pour devenir Louradou, Le Tel, Mirandol-Bourgnounac. Des plantations de résineux ont été réalisées dans les années 1980, souvent grâce à des groupements forestiers. Les plateaux sont intensément cultivés, avec des céréales ou des cultures fourragères. Cette révolution agronomique a pu se faire grâce aux apports de chaux, d'engrais et à la facilité de mécaniser cette agriculture. Les châtaigneraies sont arrachées ou abandonnées dans leur grande majorité. Seuls quelques reliquats continuent d'être utilisés. Les vignes ont été abandonnées et colonisées par des bois de chêne. Les fonds de vallée se sont refermés et sont à présent colonisés par une dense ripisylve.